Merci Patrice. Olivia, vous vouliez attirer notre attention sur un spot réalisé par Luc Besson. Oui, il s'agit d'une campagne lancée par la FIA, la Fédération internationale de l'automobile. Et l'objectif, c'est nous sensibiliser aux dangers que courent chaque jour les 1,8 milliard d'enfants du monde entier en se rendant à l'école. Luc Besson a réalisé ce spot de 3 minutes. Il l'a tourné entre Paris et l'Afrique du Sud. Comme vous voyez, on voit un groupe d'enfants africains qui seront à l'école, un groupe d'enfants parisiens. Et qu'ils soient dans un des deux pays, ils encourent le même risque. Ils peuvent faire partie des 500 enfants qui, chaque jour, meurent dans le monde sur le chemin de l'école. Le constat est là. Les accidents de la route sont la première cause de mortalité chez les 15-29 ans. Et c'est en passe de devenir aussi, faute d'action urgente, la première cause chez les 5-14 ans. Voilà, ce court-métrage, il incite à aller sur le site Save Kids Lives 2015. C'est ce site-là pour signer... voilà, vous voyez ce clip. Oh là là. Pour signer cette déclaration. Cette déclaration, elle a été écrite en se basant sur les opinions et les craintes en matière de sécurité des enfants, mais aussi voilà, des experts du monde entier qui se sont concertés pour définir les mesures à prendre. Vous pouvez aller sur ce site, hein, l'objectif c'est 1 million de signataires. On en est à 891 000. Je suis sûre que dans quelques minutes, ce sera chose faite. Oui, ça devrait faire grimper le nombre d'adhérents, effectivement. Merci beaucoup. Et je crois qu'en France, le pic, c'est au moment de l'entrée en sixième, parce que c'est l'âge auquel les enfants ne veulent plus que les parents les accompagnent. Exactement. Ils sont grands, ils veulent aller seuls à l'école. Donc, voilà, prudence. Ils sont bien contents de trouver quand il pleut. Et oui. Ce qui est remarquable, c'est que le message passe sans qu'on voit le moindre accident. Effectivement. On en voit par la suite. Hein. Et à la fin, on voit aussi des images réelles de caméras surveillance où on voit des enfants percutés. C'est d'une violence extrême, mais effectivement, dans tout le reste du spot... Merci de nous avoir évité ces images-là. Merci beaucoup, Olivia. Nous allons continuer avec Jean-Philippe Viau.